Félicitations, capitaine. Vous avez eu le poseur de bombes. On l'a eu. C'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que vous vous tuez à la tâche ces temps-ci. Vous devriez prendre des vacances. Je suis pas une grande voyageuse. Mais quand on aura bouclé tous les hommes de lit, je ferai peut-être une pause. Pas d'avion, pas de valise. Juste moi et mon lit. Vous êtes une vraie fêtarde. Mais bon, si c'est ce qui vous fait envie, vous l'avez bien mérité. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister Bivouac 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man et nous en sommes à l'épisode 18, me semble-t-il, pas envie de dire n'importe quoi. Comme d'habitude, n'oubliez pas de quoi boire, de quoi manger. Eh, faites-vous plaisir parce qu'on se retrouve une bonne demi-heure ensemble et il est temps d'aller voir Tante May. Mais avant cela, on va voir si on n'a pas un petit costume sympa qui pourrait être très agréable à disposer. On a débloqué Spider Armure MK3. Par contre, j'ai quasi plus de jetons. Je ne peux plus rien débloquer. Il me manque des jetons de base. C'est terrible. C'est terrible, mais c'est pas bien grave. Est-ce que je peux pas... Ah, je peux pas l'avoir celui-là non plus. Très bien. Bah, quand c'est cela, on va tout simplement prendre la tenue de base. Voilà, et on va garder plus de force. On est donc parti pour un nouvel épisode de Spider-Man. J'espère que vous êtes bien installés parce que ça risque d'être... Non, ça ne risque pas d'être. Ça va être incroyable. C'est moi qui vous le dis, les gars. On est parti. Peter. Ça va? Tout va bien? Je me débrouille. Honnêtement, ça me plaît pas trop de te voir gérer ce centre toute seule. Ces gens ont besoin d'aide. Si ça doit me coûter un peu de sommeil, eh bien tant pis. Et tu as eu des nouvelles de Monsieur Lee depuis... Non. Mais le Martin que je connais n'aurait jamais fait ça. Quoi qu'il lui soit arrivé, ce n'est pas l'image que je veux garder de lui. Bref. Comment ça va avec MJ? Bah, tu sais... C'est-à-dire qu'en fait... Mais c'est compliqué. L'honnêteté, c'est ce qui nous a sorti des mauvaises passes, Ben et moi. Vous avez eu des mauvaises passes? Oh, bien sûr. Surtout quand on avait ton âge. Alors, es-tu honnête avec elle? C'est elle vraiment qui tu es? Hé hey, monte le son! Je vais écouter ça! Un porte-parole de la police a confirmé que le camion était celui qui transportait le dispositif utilisé dans l'attaque de la gare de Grand Central. Quand est-ce que ça va finir? Ok, ça risque de jamais finir, même en prison, il nous casse les couilles. Ok. J'ai peut-être une idée. Non, c'est pas peut-être une idée, j'ai une idée. Capitaine Watanabe, laissez-moi un message. Yuri, où êtes-vous? Rappelez-moi dès que vous pouvez. Ok, donc Yuri, les produits de sont encore là-bas. Et à l'abri. Si les démons ont trouvé le camion, ça va prendre des dimensions cataclysmiques. Mais c'est pas vrai, mais comment ce camion... Mais incroyable! Comment ce camion... Non, que dis-je? Incroyable! Comment ce camion il a pu se retrouver dans de telles impasses? Dans une situation qui nous dépasse, je dirais même. Je devrais me lancer dans le rap, ça c'est un spider rap. Ça serait plutôt énorme. Je devrais faire un... Non mais en vrai... Oh là 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 là. C'est bon, je me reconvertis les gars, on arrête d'être super-héros. On arrête d'être l'homme araignée, on sera l'homme araignée qui rappe. Et ça c'est incroyable. On y va. Alors, je voulais faire quelque chose, c'était attribuer des points de compétence. On va le faire, pas de panique à bord. Le fun et la vitesse d'abord. Mais avant cela, hop, petite esquive de mur, parce que ça, je peux vous dire que ça peut chicoter. Mais avant cela, on va se rapprocher de notre objectif. Parce que c'est bizarre, Martin Lee est censé donc être en prison. Et pourtant, le souffle du diable est à deux doigts d'être récupéré. Donc par qui? Aucune idée. En tout cas pas par Picard. Ça c'est clairement évident. Hop, on va passer par là. Je sais pas ce que je fais là. Voilà, bon écoutez. Un petit côté un petit peu acrobate. J'ai fait le cirque de plein d'air quelques années. Ok, on va passer par ici. Très bien. On en sait un peu plus. Bon. Avant de commencer... Putain, faut que j'arrête de me tromper de touche, c'est terrible. On va aller dans les compétences parce que j'ai beaucoup... Ouais, beaucoup. Bon, j'ai été américain, je suis désolé. Mais j'ai 4 points de compétences et c'est pas rien. Déclenche immédiatement un second coup de grâce sur les ennemis de base. Ça me plaît. Ça me plaît, on va le prendre. Voilà, c'est pris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Coup 2 après, ouais, c'est chaud.
Le règne de la peur. Les éliminations silencieuses génèrent beaucoup plus de concentration. Très bien, lorsque vous projetez un ennemi, appuyez rapidement sur triangle. Ça, ça m'a jamais vraiment intéressé. Ça, par contre, ça m'intéressait. Maintenez triangle en étant dans les airs. Mais par contre, faut y penser. Ça, c'est assez terrible. Les combos élevés génèrent plus de concentration. Ça peut être pas mal. J'en fais pas mal des bons combos. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, on est parti. Direction notre quête. On va voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, Tante May nous a dit quelque chose de très intéressant. On verra de quoi il en retourne quand on sera avec MJ. Le souffle du diable a disparu, mais on a des problèmes plus graves. Riker ? Il faut qu'on se dépêche. Grimpez ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'était une attaque coordonnée. Elle a dû être préparée de l'extérieur. Tous les blocs sont ouverts. D'ici quelques minutes, tous les détenus de Riker vont défiler sur la 5ème avenue. Ok, et le raft ? Ça devrait aller. C'est un centre carcéral Supermax, plus encadré et avec un réseau à part. Tant mieux. Et le souffle du diable ? C'est Sable qui s'en occupe. Vous leur faites confiance ? Ai-je vraiment le choix ? Oh non ! Fallait mettre ta ceinture ! Ok ! Ça craint à mort ! Tous les prisonniers se sont... Waouh ! Ça balance des cocktails Molotov ! Ok. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Hop, boum ! Un petit coup gratuit. On va aller sur lui. Ok, là, c'est chaud. En gros, si vous... Mais tous les méchants sont... Bon, ça va. Ça, c'est de la petite... C'est de la quincaillerie, ça, si je peux me permettre cette petite expression. Des familles, on adore tout ce qui est quincaillerie par ici. Hop, oui, on va s'en occuper aussi très rapidement. Ok, jusqu'ici, pas trop de soucis. Hop, ça dégage. Bon sang, ils sont entrés dans l'armurerie. Waouh ! Prévenez les gars, c'est... Ça, c'est pas juste. Ça veut dire que les détenus ont maintenant des lance-roquettes. Ah, ok, c'est grave. Je m'en occupe. C'est vrai que garder des lance-roquettes dans une prison, c'est très intelligent, bien évidemment. Ok. Si vous regagnez tout gentiment vos cellules... C'était Spider-Man ! Là, t'as été Spider débile ! Oh, c'est bon. Ok. Ok. Je voulais m'occuper de lui en premier. En plus, il a un gilet, il a l'air totalement nul à chier. Désolé. J'ai Spider flippé pour rien. Wouh ! Ok. Allez. Hop. Ça, c'est totalement... Ok. Ok. Wouh ! Ça, c'est fait. Il a tué ses potes, hein, on s'en fout. Ça, c'est une petite exécution directe des familles, on apprécie. Boum. Lui, on s'en occupe parce qu'on peut enchaîner maintenant grâce à une astuce hongro-chinoise appris par Maître Feng Shu. Et ça, c'est totalement dingue. Ok, on est pas mal, hein, on est des boss. Oui, bah retourne dedans, Speedy, vas-y. Et j'ai mourir. Et que Dieu... Que Dieu me préserve. Putain, mais c'est incroyable, je prends ma part, hein, c'est terrible. Ok. Oui, on va essayer de s'en occuper, c'est le plus chiant. Clairement, faut focus les roquettes. Super, j'en vois encore quelques-uns dans la cour. Qui a eu l'idée géniale de ranger des lance-roquettes dans une prison ? Ah ! Ici le sergent Merci. Houston, répondez ! Y'a quelqu'un sur ce canal ? Ici le capitaine Watanabe. Oh, yo frère. Ok, on va essayer de gonfler sa jauge de combo pour réduire un petit peu plus de qualité. Ok, lui on s'en occupe. Mais non ! C'est tellement injuste ! Mais je prends ma part de ouf. Hein. Ok, je prends ma part de ouf et c'est terrible. Ok. Ok. Oh là 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 là. C'est chaud les gars, hein. Je retiens ma respiration, mais je vous avoue que là, je suis en sueur. Ok. Putain de merde, le salopard. Voilà. C'est chaud, hein. Et lui, c'est terminé aussi. Désolé frérot, tu dégages. Ok. Sur le toit, il y a un agent là-haut qui nous appelle à l'aide. J'arrive. Ok, qu'est-ce qui se passe ?
Quelle est cette... C'est très sombre. C'est très très sombre. C'est bon, bah là c'est un peu moins sombre. Attendez. Oh c'est beau. C'est quasi très très beau. C'est même extrêmement beau. Ok. Quelqu'un est piégé derrière cette porte. Ok. Ça dégage. Ils vont tomber dessus. Faites-les sortir de là. Ils arrivent. Où est la sécurité? Ils s'en prennent à ma voiture. Oh d'accord, il écrase tout le monde, ok. Donc je vois que la police n'a aucune pitié. En même temps c'est une police américaine. Aidez le directeur. Moi je regarde si je peux rétablir le courant. Ouais, pas de problème. Ok. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Je dois tous les éliminer. C'est pas mal. Et ça. Ça c'est pas mal aussi. Ok, lui on va s'en occuper et normalement je peux m'occuper de lui aussi en élimination directe. Ça va très 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 vite. Et là je pense que tout le monde est très excité et a hâte de voir la suite. Parce qu'on est extrêmement bon là je pense. Ok. Attention. On peut pas faire pire que ça. On peut toujours faire pire. Ok. Là c'est compliqué les gars, là c'est totalement un but et molle. J'ai l'impression d'être dans Dynasty Warrior, c'est un bordel pour ceux qui connaissent. On va passer par ici, voilà. Ça va, calme-toi. Ok. 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 Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Hop. Kung Fu Fighting. Hop. Oh là là. Deuxième élimination. On a éliminé tous ceux qui avaient une arme. Bien joué. Encore une. Tu bosses. Hop. Ok. Je suis le boss mais un petit peu débile. Ok, on va le rejoindre en l'air. Il est mort. Et clairement j'étais le boss. Hop, lui on le monte en l'air littéralement. Ok, pour l'instant on s'en sort. Oh vache. On s'en sort clairement pas trop mal. On fait des petits enchaînements, on fait des petits combos. Je parle pas beaucoup, là c'est une situation très délicate. C'est pas tous les jours que les gens sortent de prison. Bon, c'est peut-être en Amérique. Ça, ça se produit très souvent. Oh putain, lui c'était une haine incommensurable. Hop, ça dégage. Il s'en va d'un hélico. Non, ça va aussi les gars. Ok, 10 contre 1, il y a Lee dedans. Ok, prévenez quand même, s'il vous plaît, quand il y a des phases de QTE. Ok, non, il n'y a pas Lee. Quel véhicule, hein, je vous prie. Ok, tout a l'air à peu près en ordre par ici. M'avez pas dit que le rat ne craignait rien? Plus maintenant, allons-y. C'est peut-être pas si grave que ça en a l'air. J'adore votre optimisme. Mais d'après mon expérience, quand ça a l'air grave, c'est grave de chez grave. Attention. Laurie! Je glisse! Tenez bon! Ça va? Oui. Soyez les bienvenus à la fête! Juste à temps pour le grand feu d'artifice! Liberté conditionnelle, les gars! Trop? Pourquoi il fait sortir tout le monde? Je vais aller au centre de contrôle pour évaluer la gravité de la situation. Ok, je m'incruste à la fête. Ok, j'ai besoin de changer mon pouvoir et clairement, je veux un pouvoir qui déchire. Et l'explosion de toile me semble adaptée. Parce que là, on risque d'être dans une situation où on va être entouré. Allez, on est parti, les gars. C'est cadeau. Et ouais, mon pote. Et ouais, ça, on entend moins vos grandes gueules, les gars. Ok, ça, c'est fait. Ça, regarde. On le one-shot. Et juste après,
On va one-shotter aussi celui-ci, c'est cadeau. Et donc c'est Electro, pour l'instant, qu'on vient de voir, qui est sorti. Très très beau ça, très très beau de la part du joueur franco-hongrois. Ok, ça c'est très très beau aussi. Oh, ça va vite, ça va vite. Ok, ah, pardon, j'ai pris une double patate. Je l'ai plus, mon... Je l'ai plus, mon... Je l'ai plus, je l'ai plus, je l'ai plus, je l'ai plus. Ok, mon explosion de toile a disparu. Et ça c'est terrible, c'est pas grave, ils one-shot les mecs. Ok, par contre ils ont tous une couleur de peau différente, c'est très bizarre. Enfin je juge pas les gars, mais rose quand même. Il a pris un sacré coup de soleil, mais il s'est passé quelque chose. Allez, ça dégage. On est bon? On est bon, on peut y aller. Incident hautement. Pas trop ce bruit là. Générateur principal haute tension. Ah! Le deuxième qui s'est échappé, Rhino, évidemment. Bon, Electro plus Rhino, ça commence à faire pas mal de choses. Ok. Hey, quelle est votre situation? Moi? Oh, je suis coincé dans une prison avec tous les criminels. C'est bien trop beau pour être vrai. Scorpion, tu peux attendre une minute? Je suis en train de parler au téléphone. C'est pour le boulot. Scorpion, Rhino, Electro, ça commence à devenir une sacrée mascarade. Ça par contre c'est tendu. C'est très tendu. Là on a dans les mecs les plus emblématiques de ce Spider-Man. Non, pas okay. Vraiment. Ça, Electro, c'est Rhino, fait. Et maintenant Scorpion sont voilà, et ça. Qu'est-ce qui se passe dans le reste de la prison? Oh, ça s'est fait aussi. Allez les gars, ça c'est cadeau. Okay, hein. Je continue à poursuivre Electro. Voilà, restez là-haut les potes, ça va. Ok, hop, yo les gars. Oh, mais là, j'ai peur. Désolé, j'avais pas la caméra, je voyais pas ce qui se passait. C'était un petit peu terrible, j'ai donc pris ma part. Ok. Ça, c'est pas mal aussi. Ok. Ça. Voilà. Ça. Voilà. Oh, ici. Oh, mais l'autre, il lui a même pas mis une patate qui s'est déjà écroulée. Bon, c'est bon, ils se battent entre eux, ça, c'est plutôt cool. Ok. Je me soigne. Hein. Clairement. Wow. Allez, Spider-Man, on est dans une course-poursuite. Ok, pour l'instant c'est du 3v1, il profite un peu de ma gentillesse. C'est parti, ouais, faut que j'arrête ce type, je veux bien les frérots. Mais alors là, faut passer par où? Par ici, je pense. Ok, ça faut esquiver, aucun souci. Ok, par ici. Oh, rapide! En même temps, c'est Electro, hein, c'est pas n'importe quoi. Ok. Si tu me dis pour qu'il y ait du travail, j'irai doucement, promis. Comment? Ok, donc là on va lui courir après. Ça marche, je vais pas suivre l'éclair jaune de Kono. Je me fais toujours rembarrer quand je propose ça. Oh non, oh non, j'ai ralenti. C'est bon. Oh, je te tiens. Oh. Ah, le quatrième. Ça faisait un bail. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser. Ah. Oh, ah. Désolé, pas le temps de causer. Ok, on est parti, phase de gameplay direct. On a du mal à voir la différence tellement c'est bien fait. Oh alors c'est juste ouf, qu'est-ce qui se passe? C'est juste ouf. Les gars, 4 des plus grands méchants se sont libérés. Ok, qu'est-ce qui se passe? Pendant une seconde, j'ai cru que vous étiez sérieuse. Je suis très sérieuse. J'ai tellement pris ma part. C'est maîtrise. Ok. Spider-Man, hop, là on est ridicule là. Ok, c'est parti. Wouah! Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à le faire. Ok. Ok, j'ai compris. Mais. Je comprends pas en fait. J'ai rien compris. Ok. Comment tu trouves mon nouveau costume? Très classe. Où tu l'as eu? Je suis membre d'un club. Non,
de ne pas le tuer. Bonne idée. On n'est même pas obligé de se battre, hein, si vous voulez pas. Oh, mais on en meurt en vie. Oh Docteur Octavius. Premier et dernier avertissement. Ne te mêle plus de nos affaires. Vous avez tous reçu une mission. Vos dettes seront réglées quand ce sera fini. Partez! Trophée obtenu, la clique, D6. Les gars, franchement, j'ai eu des putains de frissons, c'était incroyable. Je dirais même plus, c'est incroyable! Toutes ces années, tous ces mensonges. C'est fini, Norman. Ils vont savoir la vérité. Aïe, 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 ça sent pas bon, les gars. Ça sent vraiment pas bon, cette histoire. Ici Marie-Jane Watson pour un flash spécial du Daily Bugle sur l'attaque du terrorisme. À l'heure actuelle... Mais, tout va bien ? Oui, ça va. Pourriez-vous distribuer ça à ma place ? Oui, bien sûr. Mais les experts travaillent jour et nuit pour trouver un remède au virus. La quarantaine de la ville est appliquée avec autorité. Par Sable International, qui assure fermement la sécurité de tous les points d'accès. À travers la ville, la police et les agents de Sable luttent toujours contre les évadés du Raft et de Riker. Pendant ce temps, le maire Osborne a publiquement accusé Spider-Man d'avoir causé l'évasion et l'épidémie avant de le qualifier de fugitif. Cependant, aucune preuve n'a été apportée. Beaucoup pensent que le maire cherche à fuir ses responsabilités depuis qu'une enquête du Bugle a révélé que le virus qui se répand dans la ville a été créé dans un laboratoire secret et clandestin d'Oscorp à Manhattan. Le maire Osborne assure qu'Oscorp travaille en ce moment... Éteignez-moi ça ! ...sur un sérum, mais là encore, aucune preuve n'est venue confirmer ses déclarations.
Octavius. Pourquoi? Comment ça a pu arriver? L'hôpital vient de me téléphoner. Ils disent que vous vous êtes enfui. On n'a pas de temps à perdre. D'après les médecins, vous avez 14 os encore cassés, au moins. Ouais, autrement dit, j'en ai encore 192 intacts. Et merci pour votre aide, au fait. Le plus dur a été de vous cacher aux yeux de Sable. Ils vous ont catalogué comme cible prioritaire, vous savez. Je le prends comme un compliment. Qu'est-ce qui arrive à notre ville, Yuri? J'en sais rien. Ça ressemble à la fin du monde. C'est peut-être ça. Clairement, en tout cas, ça sent pas bon. Tout est parti en couille très très vite. Et même le Sable me recherche. Et va essayer sûrement de me tuer. Ça risque d'être juste terrible. En tout cas, cet épisode était assez dingue, hein, on va pas se mentir. Je suis là pour vous aider. Parfait. Les prisonniers en fuite se regroupent pour prendre le contrôle de quartiers entiers. Tout piller, menacer les résidents, et j'en passe. Je m'occupe d'eux. Autre chose? Le maire a donné carte blanche à Silver Sable pour retrouver Martin Lee et Octavius. Elle embarque des gens à l'appel et les retient dans des bases aux quatre coins de la ville. D'après les rumeurs, ils pratiquent même des interrogatoires augmentés. Ah, et de la torture, quoi. Oui? Ne vous en faites pas, je m'en charge. C'est notre ville, Yuri. Et on va la reprendre de force. Super. Mes hommes sont sur les traces des super vilains. D'accord. Avant-poste et camp de prisonniers. Putain, c'est incroyable. Mais ça s'arrêtera jamais. Encore des quêtes secondaires, des petites quêtes annexes. C'est juste dingue. Vous savez, à travers tous les tests, à travers toutes les previews, tout le monde parle de la deuxième partie de Spider-Man qui est juste incroyable apparemment. Je pense que par deuxième partie, on vient de la commencer dans cet épisode. Tout ce qui va se passer risque d'être réellement assez dingue. Bref, on va s'arrêter là parce que là, il y a beaucoup de choses. Mais je suis la cible du monde entier! Oh, ça risque d'être dingue. Hein. Ça risque d'être dingue et franchement, je vous le dis honnêtement, je pense que je vais prendre ma part très bientôt. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est juste, il y a trop de choses les gars, il y a trop de choses. Je vais pas pouvoir tout gérer en vrai. Il y a des snipers partout. Attendez, on va essayer de le tuer lui pour voir. Ok. Mais qu'est-ce que c'est? Mais carrément, les mecs, ils sont prisonniers, ils sont droits au Kamzer. Ok. Hop, lui, on va essayer de s'en débarrasser. Ah putain, hop, voilà, et on va se débarrasser de son pote juste derrière. En fait, c'est rien, c'est juste des mecs dehors. Ça va même pas donner de jetons. Oh, ça risque d'être terrible. Ah, très bien. Je me suis pris un photoshop. Toute la journée. Tu vas bien? L'évasion à la prison a mis la ville sans dessus-dessous. Je vais bien, mais je suis prudent. C'est pour toi que je m'inquiète. Oh non, ne t'inquiète pas. Le refuge Fist est l'endroit le plus sûr de la ville en ce moment. On ne peut pas en dire autant de nos antennes au nord de la ville, mais ici, on est en sécurité. Pourvu que ça dure. Je passerai dès que j'aurai un moment, mais je t'aime. Je t'aime aussi, Peter. Tout part en couille. Tout part en couille. Allez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. À très bientôt, tout le monde, portez-vous bien. Bisous, ciao, ciao.